Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Bonjour, il est 7h du matin, je me réveille pour attaquer une grosse journée. En vérité, il est 9h30. Mais quand on considère que quelque part dans le monde, il est au moins une fois 7h du matin, on peut dire que je me suis réveillée à 7h. Voici un homme du 21e siècle dans son habitat. Il est en télétravail et en même temps il fait du ménage. Ouais, je vais faire le yoga sur l'ordinateur. Simon et Kaspa. Simon ? Oui, Kaspa et Simon. Oui. Il y a des cacaboules. Oh non, c'est pas possible. Fin de la séance de yoga, 45 petites minutes tous les jours qui m'ont permis de tenir pendant ce confinement. Ça va Noam ? Ouais. Aujourd'hui je fais du yoga, c'est parce que j'ai envie de progresser au surf. Je fais un petit peu de surf et il m'a toujours manqué de la force en fait dans les bras et du gainage. Et j'ai jamais pris le temps de vraiment en faire tous les jours. Là aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'occuper de moi pour une fois, de me recentrer. Et ça, c'est ma prof Aria qui dit tout le temps, I can. Voilà, je peux. Si j'ai envie de faire quelque chose, je peux. Et en 2 mois, j'ai vraiment réalisé de gros progrès. Je m'amuse à faire des postures. Et j'ai l'impression d'avoir rechargé mes batteries en fait pendant 2 mois. Réellement. Et de me retrouver avec une énergie nouvelle qui va me permettre, moi, d'aller chercher mes objectifs personnels. Voilà, vive le yoga. C'est maman qui commence ? Non, tu commences pas. Alors vas-y, c'est toi qui commence. Je te passe le ballon. Non, c'est moi les ballons. Tu prêtes tes ballons ? Voilà, avec ce confinement, I can beaucoup de choses. I can prendre du poids, par exemple. J'ai pris 3 kilos. Après, on m'a dit que les muscles, ça pesait plus que la graisse. Hein. Peut-être que je suis trop musclée. Voilà, ça, c'est une réalité. 2 mois de confinement. Cheveux blancs. C'est un peu orange, non ? Vous ne me verrez pas faire à manger, ça ne sert à rien. Je ne sais pas faire à manger, ou du moins des choses assez basiques. Donc je vous ai passé mes recettes, j'en ai pas, tout simplement. En revanche, moi, comment j'occupe mes journées ? Bah, je bosse aussi un petit peu, je fais des halloween. Je prends des nouvelles de sportifs, de beaucoup de sportifs. Donc le problème, c'est que moi, je m'entraîne pas trop, et puis elle cuisine beaucoup, donc au final, on sait plus trop qui est enceinte. Là, ça va commencer à être compliqué au niveau du... Tu vois, les Kinder Bueno, c'est pareil. J'ai une couche de muscles. Un bel enrobage. Et une bonne couche de graisse, voilà, tu vois. Ah, tu m'as donné faim. Est-ce que tu peux prêter un ballon à maman ? Parce que moi, j'ai besoin de la voir jongler. Ouais, la première chose que tu vas faire quand tu vas sortir ? Je pense que je vais aller sur,
sur un terrain et je vais inviter des amis, on va jouer au foot. Je me rappelle la course qu'on a fait la dernière fois. J'avoue, je sais même pas où c'est. Tu lui prends son ballon et tu vas t'entraîner dehors. Ouais, okay, j'avoue. Non, mais t'as mis des Jordan, vous en avez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est une bêtise. Regarde. Il a pété 10 assiettes. Allez, papa, tu peux ranger, passe la semaine. Je vais y aller. J'en veux plus. C'est enfant. Il est 18h, c'est l'heure de chanter. C'est quoi, enfin... Ah non, franchement, c'est pété son truc, elle m'a saoulé, quoi. Mais ouais. C'était tout pété son truc. Ah, Elles ne font que bitcher. On peut plus bitcher tranquille. Bah non, hein, écoutez, je suis en pleine télé-réalité, je filme ma vie. Voilà. Vie ma vie, de confinée, de karaoké woman. Maman. Il a dit je t'en supplie. Je te donne tout à l'heure, oui. Quand on va manger. Là il est trop nuit. C'est nuit, s'il te plaît, après. Oula. Eh oh. C'est pas gentil là. Hein. Eh non, pas ça. Hein. Martin, tu...